Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Après un travail acharné, j'ai reconstruit une maison sous la nid, comme vous pouvez le voir ici contre. Une maison absolument dégueulasse, quasiment vide. Je sais, c'est du EA, hein, je me mets au niveau. Hein. Je me dis que peut-être un jour je serai recruté en tant que Sim Guru. Hein. Sim Guru Shirley peut-être. Lol. Et donc je vais vous présenter cette maison incroyable. Donc on a déménagé à Soulani. C'est une nouvelle vie qui commence pour notre petite Céleste. Oh, il y a un avion. Et une maison dégueulasse. Alors vous voyez que nous avons ce jet ski en. Et puis on a même ça là. Et balançoire là. Pour vous balancer. On a deux serviettes de plage ainsi que des parents. Vous êtes prêts pour cette maison magnifique? J'espère que vous êtes prêts. Oh, tadam! Non, il n'y a pas eu un problème de toiture. J'ai voulu faire comme des vagues au-dessus. Ça ressemble à rien. Parce que la génération bleue, la mer, les vagues, ça ressemble à rien. C'est moche. Mais écoutez, de toute façon, niveau toiture, il n'y avait rien de beau. Et là, pour les rainbows, et ben c'est super. Donc voilà, cette fabuleuse maison à moitié vide. Vous avez un petit sas d'entrée où il n'y a rien. Ensuite, vous avez une cuisine où il n'y a rien. Un salon où il n'y a pas grand-chose. Un bureau. Une salle d'eau. La salle des vieux. Enfin, la chambre des vieux. Qui a juste un lit. Puis la chambre de notre, comment elle s'appelle déjà, Céleste, avec un lit, une lampe et des plantes. Et sur la petite terrasse arrondie, nous avons deux chaises longues avec un petit... Et ça, j'ai mis je ne sais combien de temps à construire ça, parce que je suis tellement douée en construction que ça en devient indécent. Ils vont donc rentrer chez eux et se coucher, et puis les vieux, ils vont baiser. Enfin, les vieux. Ils sont pas encore officiellement vieux, mais... Mais... Bientôt. Et pas de PQ. Non, il n'y a pas de PQ parce qu'on s'est dit qu'ils allaient soigner leurs hémorroïdes après avoir poussé dans la mer salée qui est juste ici. Et que ça allait cicatriser deux fois plus vite. Parce que nous, on est sympas. Voilà. C'est le vent qui a soulevé le toit. Ouais, il y a une bourrasque. Il y a une bourrasque et ça s'est enlevé. Vous êtes des moqueurs hein, quand même, hein, j'ai envie de dire. Applaudissez YouTube sinon elle vous panne. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont la cinquantaine bien tassée. Ben, en vrai, ils vont vraiment pas tarder à devenir seniors, je crois. Hein. Bah, dans 2 jours. 2 jours et 1 jour. Ah ouais, donc Pomme devient senior avant. C'est assez rare pour le souligner quand même, que la femme va devenir vieille avant. Ah, ils font le jeu du chat et de la fourmi, là, ou quoi, là? Vas-y, que je me lève, que je veux pas dormir dans mon lit. Ah ouais, on avait une petite tarte que j'ai retrouvée dans l'inventaire. Oh non, c'est la fête des récoltes. Oh, c'est chier dessus. Allez, va prendre ta douche. Alors, il va y avoir un drama. Non, non. Va pisser dans l'eau. Va te baigner sans aucun vêtement, ma petite pommette. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, ah, bah ça y est. Ça ira pisser dans l'eau. Ah, ça marche le truc. Alors, comment on fait? Faire pipi dans l'océan, vous êtes prêts? La pomme qui pisse. Oui, le petit nuage de pipi. Voilà. Bah, écoutez, ça soulage. Hein. Un petit lavage. Sa première matinée, c'est l'automne, il fait beau quand même, donc tu vas nager. Voilà, tu nages, tu te démerdes. Alors, la petite, comment elle s'appelle? Céleste. Céleste est devenue donc jeune adulte la semaine dernière. Et travaille en tant qu'investigatrice dans la carrière critique. Elle doit améliorer sa compétence écriture
Et elle est censée bosser à 10h. Donc on va quand même l'envoyer bosser. Alors, je m'en doutais de ça, que ça allait pas tarder. J'ai vu compétence écriture, je me suis dit, il va falloir que je bloque l'ordinateur. Effectivement, il va falloir que je bloque l'ordinateur, comme d'habitude. Paramètres de sécurité. Verrouille la note pour tout le monde, sauf Céleste. Comme ça, ce sera rapide. Et toi, tu vas écrire, t'entraîner à écrire. Ouais. Parce que sinon, ça marche pas. Faut pas triquiter, non, jamais. Moi aussi, je suis plus vieille que mon homme. Non, mais ça, c'est pas... Non, mais dans les Sims, c'est assez rare parce que, comme la fille... Oh non, pas les nains! Les nains qui font une ode à la télé. Les gnomes, plutôt. Bah, les nains. Parce que dans les Sims, comme la femme rajeunit, j'ai pas mis la grosse poubelle dehors. Crotte. Pendant les grossesses, elle rajeunit pas, mais elle ne vieillit pas. Ben... Forcément, ça creuse un sacré trou au niveau de l'âge, quoi, de la différence d'âge. Donc là, c'est assez étonnant qu'elle soit plus vieille que lui. Pas de papier, ils sont incontinent. Il a cru que c'était dans les vieux pots qu'on faisait une bonne soupe. Il s'est planté. Ça va, la maison est... fonctionne, hein. Et elle nage nue pour mieux ressentir les embruns de l'eau. Enfin, les embruns. Si ça se dit embruns. Ah, j'allais dire, tu bosses à 10h, tu bosses pas à 9h. Oh, mais regardez! Ah là, il profite, hein. Après, il ira nager aussi, hein, s'il faut. Et voilà, compétence niveau 4 pour Célestine. Alors, elle avait son chéri, Vlad, j'ai oublié son nom, qui est encore ado. Mais dès qu'il sera jeune adulte, il emménagera, et puis on fera au moins un gosse. Sachant qu'il faut qu'on en adopte un, il n'y a pas de... Enfin, ils nous disent pas absolument qu'il faut qu'il fasse un enfant. Il faut juste qu'elle ait une liaison et qu'elle adopte. Donc en gros, on va faire ça. Salut Marine, comment vas-tu? Elle a pas eu assez de bébés. T'as vu qu'elle en a eu deux? C'est déjà pas mal. Hein. Deux filles, c'est largement assez. J'aurais fait trois, j'aurais eu un garçon. Donc je... On s'est arrêté à deux. C'est flou. Oh, d'ailleurs, on va revenir riche, nous. Hein. Je crois que c'est l'heure d'aller bosser, non? Tu vas y aller. Tu vas aller bosser. Tu vas aller bosser. Tu peux pas y aller. Pourquoi tu peux pas y aller? C'est vraiment n'importe quoi. J'aimerais que t'ailles ta fée là. Mais tu ne peux pas. Je ne veux pas. Pourquoi tu ne peux pas aller travailler? Je ne sais vraiment pas, c'est compliqué, ouais. Je sais super bien chanter. Toi-même, tu sais. T'as les oreilles en train de saigner. Don't shrug sa veste. Mais pourquoi ils peuvent pas, elle peut pas aller bosser? D'habitude, quand on clique sur un autre Sims ou sur soi-même, elle peut. Ils peuvent, quoi, je veux dire. C'est nul. Elle ne doit pas avoir des enfants avec son amant. Non. Tu rentres du resto, bah madame. Qu'est-ce qu'il y a à manger au resto? Et pourquoi on n'était pas invité? Tant de questions. Oui, mais non. Normalement, elle travaille aujourd'hui, elle travaille jeudi. C'est parce que c'est férié, mais moi, je voulais qu'elle y aille quand même. Je vais relire les règles. Tac. Mes pauvres petits yeux. Not so berry challenge. Not so berry. Berry, berry, gnon. Adopter au moins un enfant. Maximum de la compétence photo, cuisine et éducation. Cuisine. Maximum de la carrière critique. Compléter l'aspiration super parent. Se marier avec son amour de lycée et rester toute sa vie avec. Avoir une aventure secrète. Je suis même pas obligée de la mettre enceinte. C'est même pas l'obligation.
Oui, c'est férié. Mais des fois, ils peuvent y aller, hein. Tu devais y aller vendredi dernier. Genre, personne n'est venu. Moi, je me souviens pas que tu nous as invités, hein. Sinon, je serais venu, hein, au frais de la princesse. En plus, toi. En plus, toi. Lol. Bon, bref, j'ai rien dit. Allez, compétition de nage. Oh, viens là. Tout ce qu'elle doit nager. Ah non, elle va aller de l'autre côté. Bon, ça fait quand même un sacré morceau. Hein. Et elle est là-bas. Elle est à poil. Elle a faim. Vas-y, rentre chez toi. Salut Kitty, comment tu vas? Ça fait loin pour un resto quand même. Bah ça, je sais pas. Hein. Tu m'as pas donné l'adresse. Hein. Oh, la feignasse, elle passe par la terre. Moi, je voulais qu'elle nage. C'est honteux. La déception. Ah, j'ai un cadeau spécial. Peut-être t'habiller, non? Habille-toi quand même. Ah, c'est Jess! Je l'ai pas reconnu, il est tout vieux! Oh non! Il est tout vieux, tout moche! Tout grabataire! Tout flasque du Sgegus! Dans la région du Futuroscope, si tu connais. Ah oui, je vois. Bon, ça dépend, ça va peut-être vite en RER. Vous savez maintenant que j'ai terminé ce que je voulais faire ici, est-ce que ça vous dérange si je reste encore un peu? Oh, on n'est plus à Enford, hein, pourquoi tu veux nous offrir un truc? Un pot de crème? Crème anglaise? Un Trevor Verilli? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pff, un My Sims, sérieux? Benumi. Bibalo Noyam. Bempi Sheldo. Palifa Fipid. Oh, Shirsha Habery. Doba Harfin. Vadish. Benorf. Il est arrivé, elle? Ouais. Elle y arrive. Tu sais quoi? Tu vas venir là et tu vas prendre des photos. Je me remets doucement, j'ai repris le taf, beaucoup de fatigue. Ah oui, je comprends. I understand very much. I am very understandable. Je sais plus parler. Ah, je vais faire des belles photos, hein. Tu m'inviteras la prochaine fois. Ah, j'espère. Je prendrai le plat le plus cher, tiens. Alors, un cocktail, une entrée, le plat, le dessert, tout. Ah, mais je plaisante, évidemment, oh là là. Du coup, tu m'as même pas dit ce que t'avais mangé. Je suis obligée de bombarder, il faut la compétence photo. C'est dommage que genre ces trucs-là, ça fait rien. On peut même pas les contempler, tout, rien du tout. Tiens, tu vas aller là-bas. Et je cours, je me raccroche à la vue. Waouh! L'étendue de l'océan, sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan.
Là, il y en a plein, ils vont faire. Mais. Tu chantes du Disney? Comme eux-mêmes? Oh là là. Et tu vas venir là. Je mangeais une bonne pizza et une tarte tatin en dessert. Tu sais comment on les fait les tartes tatin? Moi j'ai la recette. Et les tartes tatin c'est facile en fait. Parce que tu fais une tarte, tu la fous dans le four et puis tatin! Dans le Nord on sait bien, on sait les faire. Qu'est-ce qu'on fait de mieux dans le Nord? Allez, mets au four et tatin. C'est super le Disney. Non? Jamais? Wow! Wonderful! Ouais, je sais, je suis la plus drôle. J'adore rire moi aussi, hein, c'est. Qu'est-ce qu'on se marre hein, avec vous, hein, c'est un truc de malade. Le seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon cœur t'es trop beau, dès qu'il s'achève, tu partiras. Pourquoi tu penses à une couche, toi? 100 000 lieues de moi, comment l'oublier, ton sourire. Tellement de souvenirs. Ça parce que j'ai vu qu'elle avait marché dans le sable et ça m'a fait penser à cette chanson. Everything you do make me crazy about you. Pourquoi tu m'en restes ici? J'ai tant besoin d'une amie. Je suis toujours sur la tarte tatin. Elle va se pisser dessus. Elle va se pisser dessus. Hop. Alors, ça raconte quoi, les vieux? Tu as rendu ma journée bien plus belle. Ça, c'est incroyable, ça. Qui c'est qui vient? Oh, Opaline! Attends, Opaline? Ah oui, c'est... non, sur le coup, je croyais que c'était Nila, mais non, c'est Opaline. Non, tu vas pas prendre une pose sexy avec ta belle-sœur. Opaline qui n'est pas vieille encore non plus. Ça y est, on perd Shirley. Rock voisine, j'étais amoureuse quand j'étais petite. Style de vie débloqué, sociable. Oh bah écoute, c'était si sociable que ça, c'est bien. C'est quand même bizarre les toilettes comme ça à côté de la douche, hein, mais bon. J'ai vu grand pour la salle d'eau. Hein. It makes me crazy about you. Et pourquoi tu t'en restes ici? Je t'en besoin de nommer. Ta sœur, Pomme. En fait, j'ai tellement l'impression que c'est sa fille. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est sa sœur. Ils ont les mêmes couleurs de cheveux. Soso. Moi, je l'aime toujours, le beau rock. Oh la vache. Pourquoi il était trop beau? Il est devenu dégueulasse aujourd'hui? C'est vrai que ça fait... je sais pas quoi il peut ressembler aujourd'hui. Fringle zips, fringle bazelorn. T'es content parce que t'as une porte? Ah oui, bah c'est mieux, tu sais. Pour empêcher les voleurs de venir. Et là... Les voleurs! Est-ce qu'ils vont être intégrés à votre avis? Jalurba, Rinka, Yakalo. Zanahoy, Tombra,
Zirik. Oop, oop, oop. Oh, oh, oh. J'ai mis une douche, on peut pas faire crac crac. Oh. Ma vie vole en éclats d'un coup. Non, il a bien vieilli, c'est vrai. Regardez, Mathias, il a changé de tenue. C'est plus le caleçon, c'est le caleçon de bain. Il s'est adapté à sa nouvelle vie au bord de la mer. Attends, Jacqueline. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de table de dîner. Oh, on s'en fout. Il y en aura une peut-être à l'occasion. Tu vas annoncer le grand repas. Comme elle doit avoir le niveau 10 en cuisine. Je vais faire un petit screen. Magnifique avec ta cloche. Tu es belle. Tu es magnifique, belle. J'ai fait du poisson parce qu'ils habitent à la mer. Ça me paraît, c'est logique. Tu as 60 balais, 58 ans. Toujours aussi beau, ça y est. Ça y est, j'ai réveillé des... des envies. Ils vont passer leur vie en maillot de bain, ouais. Bah, est-ce que c'est en petite tenue, maillot de bain? Écoutez, on n'est plus à ça près. Je suis en train de faire les parents et sa sœur jumelle de Iowa. Oula! Ma mère était voir en concert, elle m'a laissé chez ma tante car trop jeune et j'ai boudé. Oh là là! C'est vrai que tu vas super bien, Ginette, là. Ah ouais, on n'a pas fait décorer la maison, mais j'ai pas mis les trucs de déco. Eh ben, tu peux épicer, toi, tu peux faire le ménage. Tant qu'à faire. Par contre, est-ce qu'elle a pris... Opaline, elle a pris, hein, vas-y donc. On se rend compte de la différence d'âge ado. Oui, bien, bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Il va falloir que j'ajoute ma poubelle. Soit je mets la poubelle magique, soit je mets une grosse poubelle. Cela, il n'y a plus de place. Mais en fait, ils sont increvables, là, les deux. Bon, écoutez, je vais leur demander de faire leur vie, et puis... On peut pas... Ils peuvent pas s'asseoir seulement là-dessus. Ils peuvent faire une sieste et tout, mais ils peuvent pas juste s'asseoir. Ah, il va quand même se coucher. Okay. Donc, c'est le meilleur temps pour schlac, 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 poubelle. Oui. Une petite poubelle bleue. Qu'est-ce que c'est ça? Qui vient squatter chez nous là? Ragnamour. Ragnamour, t'es une vampire, toi. Je suppute que tu es une vampire. Tu rentres chez toi. Dégage. Comme eux-mêmes. Jour fait était horrible. Une réussite est horrible. Tant que mon héritière à moi passe une bonne journée. C'est pas mal. Après, et en plus de ça, elle est en congé. Donc elle pourra même pas travailler et augmenter son level. Toujours adolescent. Ah non, dis pas qu'il commence déjà à pleuvoir. Oh là là, super. Franchement, je suis ravie. Deuxième journée à Sulani de la flotte.
suis ravie. Poubelle magique à du bleu, ouais, ouais, ouais. Bon, on va la faire à l'ancienne. C'est pas grave, ma bichette. T'es à l'intérieur, là. T'inquiète que... Ça sert à rien de regarder ce qui tombe sur toi. C'est parce que t'as des magnifiques vagues, hein. Je tiens à le signaler que, voilà, c'est des magnifiques vagues, d'accord. Qu'il pleut dans ta maison. Voilà. Oh. Oh, je suis valée. Ouf. Bientôt, je vais m'endormir en plein live. Si vous me voyez tomber direct comme ça, n'ayez pas peur. C'est juste moi qui ai la fatigue. Et elle surfe sur la vague, exactement. Elle surfe sur la vague. Sur la vague bleue. Comme ça, génération. Alors, on a récupéré des nains. Pas les foutre dans l'eau. Si. Oh bah non, c'est des nains flotteurs. Ah, quoi qu'il y a peut-être pas assez d'eau. Ah, super, on va les noyer, regardez. Tac. Ça, moi, je les vois plus. Ces immondes petits salopios. Pensez que Thanksgiving prochain, ils vont nous retrouver et puis ils vont nous noyer. Oh, grappin. Sous l'océan, tita patata, sous l'océan. Oh merde, j'ai mis la même coupe de cheveux que ça. Oupsi! C'est ça de jouer à Medieval Dynasty tard. Oh ouais, et j'ai été réveillée avant que mon réveil sonne par mes chats. Le bonheur d'avoir des chats. Il t'empêche de dormir tout le temps. Ouais, YouTube, j'ai découvert un jeu. J'ai commencé à jouer à un jeu qui s'appelle Medieval Dynasty et c'est trop bien. Et en vrai, à peine je joue, j'ai déjà envie de rejouer. Il y a des heures et les heures, elles passent. Mais je peux pas, j'ai pas le temps, moi, de faire que ça. J'ai très envie, mais je peux pas. Il veut pas que tu loupes le réveil. Oh. Ça va. Aucun nain n'a été maltraité dans cet épisode. Non. Juste des gnomes. Moins drôle, ça. Oh, ça va. Mais pourquoi elle pense toujours à une couche? T'es pas enceinte, meuf. T'as même pas encore vu le loup. Puis lui, il est trop jeune encore. On y a un texto. Oh! Merci beaucoup, Anne, pour ton abonnement. 13e mois d'abonnement, ça y est, l'année est passée déjà. C'est incroyable, merci beaucoup. Gros bisous à toi et merci beaucoup. Smiley Boule pour le soutif, évidemment. Tu mets les boules dans le soutif. Oui, aussi, ça passe. Merci beaucoup. C'est une belle journée. Je vais me crever dans cette belle journée qui s'achève. Oui, on y va. Ah, c'est que ses parents vont bientôt en avoir besoin. Deux, j'ai déjà oublié. On va aller voir notre cam. Ah bah c'est moche. Comment il va, chaton? T'as pas envie de vieillir d'un coup là? Ce serait bien. Couche A. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va manger? Commander à manger. Alors sur place.
Un scone, un cannoli, un croissant ou un pain au chocolat? Brrra! Pain au chocolat, les enfants. Moi, je préfère les croissants. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je les ai demandé de devenir meilleurs amis, c'est vrai? Mais je m'en souviens même pas. J'ai cliqué sur devenir meilleurs amis. Mais moi, faut que je fasse gaffe, je clique n'importe où en fait. Quoi que c'est next? Ah, les envies bébé Céleste, ouais, mais il est pas encore mûr son mec. Non, 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 Aurore, tu vas te faire ban. Tu vas te faire ban, hein, attention. Allez, on t'apprend à être responsable, mon petit, que ça tu pourras t'occuper de nos gosses. Pendant qu'on te trompera. Voilà. Ouais, sous ça. Ah, vous allez manger là-dedans, s'asseoir là. Oula, et elle est pop. Eh, c'est mon croissant, ça? C'est mon croissant. Mangez croissant. Pas vu non plus. Heureusement que j'ai pas fait autre chose. Genre rompre. Mais c'est pas là que je voulais vous asseyer, moi. Eh, c'est compliqué les Sims quand même. C'est quand même très compliqué. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est pas un pain au chocolat ça, les Sims. Si ça ressemblait à ça, on n'en boufferait plus, hein. Comme eux-mêmes. Tu sais pas faire des pains au chocolat, va gourdasse. Je vous jure. Mais il est où? Ah. Qu'est-ce que tu fous avec ta tablette, toi? Une tablette? Regardez. Une tablette Sims, hein? Avec le losange. Bon, le logo, j'arrive pas à le lire. M. Avec un P à la fin. I don't know. Ah ouais, c'est... Je vais jamais ici parce que j'aime pas trop le quartier. Il est trop moderne. Enfin, rarement je vais... Oh! Wow! It's beautiful! Wow! Oh, la musique des Sims! Trop MDR! Tu vas aller prendre des photos de ton cum aussi, tiens. Allez, je veux pas que tu écoutes la musique. Ah! Regarde. Oh, chérie qui s'amuse! Sur la tablette, il joue à Tetris. Mais comme on n'a pas les droits d'utiliser ce nom, et bien ça s'appelle autrement. Je voulais regarder à combien elle était. Charisme, écriture, 4, photographie, 4. Oh, ça avance la photo, hein. Ça avance tranquillou bilouche, hein. Tranquillouche bilouche. Allez, prendre ça en photo, tiens. On va essayer de faire les trucs pas trop dégueulasses, hein, parce que... Mais c'est pas ça que je veux que tu prennes en photo. Ah! Ah bah si. Elle était là-bas, mais elle a popé là, quoi. Ouais, ok. Don't you know, pompé là. Elle a juste pompé là. Don't you know, pompé là. Pompé, non. Popé. Je suis fatiguée. Je dis n'importe quoi. Elle a peut-être pompé l'op. J'avais pas vu qu'il y avait une... Ah, on n'a pas accès. La gueule des fausses maisons, quand même.
joli. Allez, votre défi, si vous l'acceptez, c'est de reproduire cette maison. Quand même. Moi, demande un sondage, pain au chocolat ou chocolatine. Eh ben, ça s'achète, c'est 5000 points. Et si tu n'as pas les points, eh ben, tant pis. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais on est dans quelle ville ? On est à Windenburg ? C'est un quartier, c'est le quartier en bas, à droite, c'est le quartier moderne de Windenburg. Moi, je l'aime pas. J'y vais pas. 20 Vindenburg. Screenshot fait. Ah mince, j'étais jamais dans ce coin moderne. Ah non, mais il est pas. Moi, je suis pas fan. Quand tu vois le reste de la map qui est quand même médiéval, ambiance médiévale, nature et tout. Bon, il en faut pour tous les goûts, mais c'est pas le quartier que j'aime bien, quoi. Ah, dans 2 ans? De quoi screenshot fait? Pourquoi dans 2 ans? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Ah, il est parti! Il est parti, il a dit il est parti! Le garçon, il est parti! Il est parti. Bon, on rentre chez nous, hein. On va pas rester là. Hein. Voilà, on était ici en fait. Donc au café là. Je suis pas fan, non. Pas... Alors j'avais cliqué sur Enford et non, et non. Oh punaise, la belle maison incroyable. Oh cette vague. Magnifique. On a tendance à l'oublier, mais... Ah, pour la construction du manoir. Du rien. Tu peux te faire bronzer en maillot de bain. Non, on s'en fout, on te connaît pas. J'ai envie que tu bronzes. Pourquoi ils se mettent dans l'autre sens, en fait? Je comprends pas. Bon, elle va se bronzer le fion. Ah, bah elle est partie bosser. Et lui, il fait quoi? Mais j'ai mis... J'ai mis qu'il pouvait pas... Ah, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un problème. Tout sauf Céleste. Donc toi, t'as pas le droit, en fait, Jaco, là. Va faire le gogol. J'allais dire, c'est quoi, ça? C'est les gnomes. Va nager, ici. Voilà, au bord du rien, là. Au bord du bout du monde. Et puis, on verra après si t'arrives à passer ce cap-là, on saura si la Terre est plate ou pas. On va bien bronzer, hein. Ça marche jamais le blocage d'ordi. Bah ça a marché, mais je pense que ça a dû sauter entre temps. Alors, bronzé ou pas bronzé? Pas trop de changement. Elle s'expose petit à petit. On va dire ça. Ah, le kiff de la poussière quand même. Elle est au...
4400 simflouz pour Pommette. Pomme a obtenu une augmentation pour son excellente performance au travail en tant que génie de la start-up. Elle gagnerait désormais 10 simflouz de plus par heure, soit un total de 546 simflouz par heure. Vous imaginez, vous, être payé à 500 balles de l'heure ? Une journée complète ? Vous faites 7 heures de taf, vous êtes déjà blindé pour plusieurs mois, quoi. Abusé. Et en bonus, 1732 simflouz. C'est abusé, je veux le même salaire. Mais à 500 balles à l'heure, je sais même pas combien ça fait par mois. Ça doit être terrible, hein. Kepluna. Il va aux toilettes. Il va à la douche. Ouais, elle a pas vraiment bronzé, je trouve. On aura le temps de la faire bronzer bien plus tard. Ça, c'est pas un problème. Je bosse un mois par an et Cocoiti 11 mois, bah, tu m'étonnes. Ça s'emballe. Je crois que j'ai plus la calculatrice sur mon téléphone. Oh, chasso! Le château fado. Tout tout voilà. Bah tu vas travailler. Tu vas travailler, t'entraîner à écrire, ma petite Céleste, en attendant de faire autre chose, parce que tu travailles pas aujourd'hui. Ton mec, il est pas encore adulte, donc on peut rien faire, on peut rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Goodness, globule targaryen. Mais c'est pas possible, ça. Bonjour, messieurs les voisins, dames. Quel enfer, pourquoi on a un alien ici? Qu'est-ce que c'est, ça? Claire Garnier. Ok. Et ça, c'est quoi? Samuel Bonnet. Et ça, c'est notre... Et c'est notre soeur. Non, c'est pas la soeur, c'est la tante. Quelle horreur. Merde, mon vélo. Ah, mon vélo. Attendez, est-ce qu'il y a deux sons de cloche, hein? 76 000 ou 360 000 de par an, par mois. C'est pas la même, pas le même tarif, ma poupouquette. Un mois à 35 heures, ça fait à peu près 151 heures. Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur Jamie. Mais on compte 24 heures alors qu'on fait 8 heures par jour et on n'a pas retiré les jours de repos. Ouais, c'est les voisins. Le chiant. Oh, Wexel, yes. Disons que elle, ah, c'est une vieille en plus. Elle s'est tapée un de nos enfants avec Martial, je crois. La conjointe de Jules. On va bientôt crever. Ouais. Photographe de mode. Ah, ma purée. Hein, on n'a pas envie d'aller voir ce qu'elle fait, hein. Hein, Jamie. Hein, Jamie. Ouais. Tu sais que tu, forcément, tu devras dire bonjour aux abonnés, là. Tu te planques, là, mais va falloir, hein.
Ouais. $651 le plus proche de mon résultat par mois. Oui, parce que je sais pas combien vous avez, comment vous avez compté. Ronron, oui, bah oui, Ronron. Monsieur Ronron le chien. Hmm? Oui. Mais oui, tu comprends. Qui va faire lui? Shibiyaba. T'as capté que... Hey, tu dois pas te faire... Tu dois pas jouer, toi. Faut que tu... Tu dois travailler, hein. Qu'est-ce qu'elle veut, Nila? oui. Mais mets pas ton gros cul sur le clavier, tu vas encore faire n'importe quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Jay mignon? Qu'est-ce qu'il y a? Hmm? T'as dit bonjour aux abonnés? Dis bonjour. Oui, oui, t'as va voir câlin. Oh, t'es chiant. Tu veux câlin ou tu veux dire bonjour? Dis bonjour. Coucou. Salut tout le monde. Salut. Salut. N'hésitez pas à follow, c'est gratuit. Et chaque follow égale une croquette. Une croquette pour moi, une croquette pour mon frère. J'ai faim. J'ai faim. Ils m'ont pas bouffé beaucoup aujourd'hui, hein, je le dis moi. Ou sinon tu fais 151 fois 500. Parce que c'est ça, c'est 151 heures par mois à peu près. Tu fais 24 heures par jour. Ah oui, mais tu... tu dois... Tu bosses 24 heures sur 24, sur mono. T'as pas de repos. Ah oui, je comprends, oui. C'est pour ça, toi, tu... Toi, tu... Tu bosses H24. Ça, toi, c'est normal, c'est compréhensible. Tu veux le même chat, Laura? Tiens, un cadeau. Viens chercher. Tiens. Tiens, un cadeau. Plante tes lampes, tes guirlandes, tes coussins, tes draps, ton canapé, ton chat, tes rideaux. Tellement de choses. Tes crayons, tes papiers. Qu'est-ce que tu m'as bouffé toi aussi, hein? Je sais même plus, tellement tu m'en as bouffé. Tellement tu m'as gâché des choses. Mais voilà, si tu veux. Faudrait que tu aies une maison juste avec des murs et un sol, mais rien, pas de meubles. Mais non, il est pas reparti, regarde, il est là. Il y a Camille qui te dit bonjour. Bonjour Camille! C'est intéressant les Sims? C'est intéressant? J'aimerais au moins qu'elle aille bosser en fait, mais bon. Mon chat c'est une fille, elle a 8 mois, elle est pas câlin. Et lui là, 9. Là on est le 15 en plus, c'est ton anniversaire. Hein? C'est ton anniversaire cette semaine à peu près. Donc on est sur 9 mois, ouais. Il a 9 mois. Toujours aussi con. La preuve. Ouais, super, je vais m'attraper les pattes. Il m'attrape par la queue, je me la mange devant ses messieurs. Ah, ça c'est le micro, Jamie. Touche pas le micro. Regarde. Petit con, va. Petit concon. Petit concon.
Petit concon. Ah bah elle a un mois de différence, plus petite que Jamie. Mais le mien c'est pas qu'il est jusqu'à là, c'est qu'il est pas, il a pas été sevré. Donc forcément ça crée des problèmes, hein, dans sa tête. Il est peaufiné dans sa tête. Bon. Ah oui, vas-y, discute. Allez, salut les voisins, hein, normal, cassez-vous. Tag dag. Ah, ils nous ont filé du cava. Trop bien. Ça pourra le boire ou... Ouais, c'est une boisson. Pourra boire du cava. C'est bien ça, Jamie. C'est bien ça. Ah, vous voyez pas ces grosses griffes là qui m'attrapent. Comme s'il voulait m'arracher les doigts. Alors, Nila a répandu les ragots juteux sur Cécile. Qui est Cécile? On ne sait pas. Bah, non, non. Bah, Pomme, bouffe un peu. Ta fille, elle va t'imiter après. Lui, on l'a oublié dans la piscine, je crois. Rentre chez toi. Tu vas perdre le chemin dans l'eau. Tu vas te noyer. Ah, Jamie est enfin parti. Tu vas manger. Manger, pipi, dodo. J'ai vraiment mis les mêmes coiffures, la mère et la fille, en fait. Oupsie. C'est pour vous exprès, hein. Enfin, je sais plus. J'avoue que j'ai oublié cette part. Il arrive, lui? Non, mais il va claquer dans l'eau avant, hein. Il a trouvé le chemin. Il a trouvé le chemin. Et on a atteint la distance. Et je te hais de tout mon cœur. Mais je t'adore. Ah, tu me vites ça. Je sais pas, moi, fais un peu de faire de la balançoire, tiens. C'est bien la balançoire. Yabs. Elle a l'air contente. Lui, il va manger, c'est prêt. Eh, mais ça... Mais oui. Mais elle clignotasse. Oh, merdasse. Elle clignotasse. Les bananas. Merde. Non, je vais ouvrir. Ouais, y a pas de gâtal. Ah! Zut, flûte mince! Mais zut! Mes flûtes et plis minces! C'est l'anniversaire de Pom-Pom! Il faudrait qu'on fasse une tarte aux pommes pour son anniversaire! Ouais! Pour son anniversaire! Une tarte aux pom-pom! Pour notre pom pom. Oui, je chante beaucoup aujourd'hui, je suis fatiguée surtout. Du coup, bah je dis n'importe quoi. Une tarte aux framboises. Et je suis sûre que même si on fait une tarte aux pommes, s'il y en existe, pain perdu, tarte au choco, eh ben ça ne servira pas. Gâteau zombie, tiens, tu vas me faire un gâteau zombie. Et mon coin-cointeur? Ça va, mon coin-cointeur? Il coin-cointe plus.
J'ai un produit à te recommander pour les chats. C'est un super produit. Oula, c'est pourquoi? Pour les droguer? Pour les tuer? Oh non, moi, Titi. Tu veux pas mourir, toi? Je l'ai même pas touché. Ah, il m'énerve. Ce chat, il m'énerve. Tu. Ouais, elle va fêter son anniversaire toute seule comme une pauvresse dans la cuisine, moi, je vous le dis. Hein? Pourquoi elle a pris le truc de cava pour mettre dans la dans le gâteau? Mais elle a fumé la moquette? Mais qu'est-ce que c'est que ces Sims? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? La meuf, elle a pris le truc de cava pour mettre... Yeah, un gâteau zombie, je l'avais jamais fait. Oh, il a des bougies dans les yeux. Et sur les dents. Allez, pompote. Happy birthday, pom-pom. T'es vraiment une vieille trogne. T'es bientôt bien pourri. Happy birthday, Pommy. Allez hop, tu peux remettre ça. Oh bon, on fait plus de célébration. Hein. Allez, va te coucher. Ça, je le mets au frais. Ça, je le jette. Et ça, je le jette. Quel bug! Eh oui, bravo à elle. Ah, pour éviter les bêtises, tu préconises le coup de batte dans la tête. Ouais, 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 j'y ai pensé aussi. Mais j'ai peur de pas mesurer assez mon élan, parce que vu qu'ils ont de petits crânes. Enfin, surtout moi d'ailleurs. Merci Camille. Oh Camille. Incroyable. Hey, entraîne-toi à écrire plutôt que faire des conneries. Alors, maintenant qu'elle est vieille, allons voir si la rose... alors, le Hulk. Trois enfants. Claire, Guillaume, Florent et Marina. Opaline. Oh, Paline et grand-mère. Alexandre, Paul et Lucas, trois garçons. Et il a eu encore un garçon. Opaline et grand-mère. Nila n'a... Elle était pas censée être enceinte, Nila? Je sais plus. Non, Toya, c'est ok. Chamallow. Et merci beaucoup Missisa pour ton follow et bienvenue à toi. Et salut 06. Comment vas-tu et bienvenue. Totoya. Là on a Dahlia. Ah, on a plus du tout la branche de Melba. Melba n'existe plus dans l'arbre généalogique. C'est triste. Merci beaucoup 06 pour ton follow, bienvenue à toi. J'ai ce produit pour mon chat et ça fonctionne. Ah bon? Bon bah tu m'envoies moi un petit message privé. Qu'avec deux Sims. Hein. Avec deux Sims, vous voyez ce que ça fait? Hein, ça fait trois gamins chacun qui refont des gamins quoi. Et lui il en a eu quatre. Et quatre garçons. My God. My God. Tu avais fait essayer de faire un bébé, mais on savait pas si elle était... Je l'ai pas fait avec le MCC, plutôt? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ah ouais,
Mais il est samedi. Tu travailles? Ah oui. De 10 à 17. Mon chat pisse partout et depuis que j'ai mis ce produit, elle pisse plus. Ah, intéressant. Bon, les gosses, ils ont 4 croquettes chacun, là, ça, ils vont être contents ce soir. Merci pour les follow. Bah alors, Pompote, est-ce qu'elle est toujours aussi belle? Ça va. En termes de vieux, il y a déjà eu pire. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça... Merde. Il faut qu'on mette les portraits. Les portraits. Tout, 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 tout. 80 photos. Bon. On va mettre Chamallow, parce qu'il est là. On va mettre Nunu, parce qu'elle est là. On va mettre... Bordax. Copper. C'est... Alors, on va réviser vos... On va réviser votre ordre généalogique, là. Pomme, c'est la dernière. Je vous spoil pas. Vous allez me dire dans quel ordre ils sont apparus dans le... Est-ce que c'est bon, me semble? Dans quel ordre, les enfants? Dites-moi tout. Je vous écoute. Voilà. Vous écoute, le note Sobéry. Quel est l'ordre des héritiers? Fondateur et héritier, évidemment. Ceux qui ont faux seront bien sûr bannis définitivement. Ils ont tous les garçons pour compenser que la branche principale essaye d'avoir que des filles. C'est possible, hein. Si avec le MCC, mais ça marchait pas, on trouvait pas son mec, alors ça marchait qu'en faisant essayer de faire un bébé. Ah oui, c'est vrai! Maintenant que tu me le dis, oui. I remember when I used to sit. Anne! Au revoir. Et en plus, vous vous souvenez même pas de comment il s'appelle? Oh là là, quelle tristesse. La turquoise. Quelle tristesse. Oui, oui, génération monte en premier, oui. Céleste. Ah bah Céleste, ça va aller taffer. Vas-y, arrête, tu vas aller bouffer un peu. Logiquement, là, on devrait avoir une promotion, hein. Arrivé au niveau 3. Alors, Camille, Pepper, Bordeaux, Pulco, Nuage, Lila, Copper, Chabalo, Toya, Pomme. Oh là là, Camillette, Pouette, Pouette, braval. GG. Bravo Camille. Je vais donc pouvoir, grâce à toi, ranger l'ordre. Non mais c'était pour vous faire... pour vous embêtationner, hein. Où est notre Pulcote? Il est là, Pulcote. Nunu. Il est là. Tu as dit Lila? Ah oui, tu as dit Lila. Cop cop. Cham cham. Ah, par contre, là, ça commence à être tendu. Donc, on va passer sur l'autre mur. Tac, cham cham. Totoyat et pom pom. Ouais, elle adore le chant. Ouais. Elle adore ça. Hein. Non, mais j'adore ça. J'adore ça. Déjà mieux que je connaisse Bordeaux et Pulco. Bah oui. Bordax et Pulcote. Pour leur petit nom. Elle arrête plus, elle lui chante des trucs et tout. Oh là là! Oh là, oh mon dieu, cette tenue! Ah! Quelle horreur.
J'attends la fin, Somono. T'inquiète. Il y aura deux foyers, évidemment. Bon, c'est pas du tout à la même hauteur, mais je peux pas vraiment. Donc, petit tour d'horizon. Pepper, génération menthe. Bordeaux, génération rouge. Pulcott, génération jaune. Nuage, génération grise. Lila, génération violette. Copper, génération orange. Chamcham, allo, génération rose. Toya, génération pêche. Pom pom, génération verte. Tout ça, tout ça. Quand j'arrive, je suis accueillie par une tenue de chic et de charme. Eh bien, bienvenue à toi, Lucifred. Comment t'es allée ? Comment vas-tu ? On est toujours sur le note Sobéry. Nous venons d'emménager à Soulani. Là, je suis en train d'essayer de mettre joliment. C'est essayé, hein. Les portraits. Et je testais la connaissance des abonnés, savoir s'ils sauraient me les dire dans l'ordre. Et ouais. Salut Julie, comment tu vas ? Salut Mercure, comment vas-tu ? Ah, mais non, Bordeaux, il est beau, hein ? Bordeaux, séducteur, le président séducteur, t'inquiète, hein. Ah, mais alors, on a eu 5 mecs en héritier. Bon, à part Pulco, qui a les yeux marrons, et du coup, ça enlève un peu tout le sexitude, tous nos garçons sont beaux gosses, hein. Ah, bon, tant pis, on n'aura pas fait le zoom, mais je reviendrai là-dessus. Formation supplémentaire, est-ce qu'on fait la formation ou est-ce qu'on offre cette opportunité à un collègue ? C'est vous qui allez me le répondre tout de suite, maintenant, immédiatement. C'est parti. Oui, ça va, je suis fatiguée, je suis explosée, mais ça va. J'ai trop joué hier soir. Toute la nuit ! Sur Medieval Dynasty, j'ai chevauché les sangliers sauvages. Merci beaucoup Alicia pour ton follow, bienvenue à toi. Alors on fait la formation, on offre, on fait. Ok, c'est un full quasiment. On fait la formation, il y a quelques personnes qui disent non, bah vas-y, on est grand cœur, on l'a fait, on l'offre. Non, nous on est égoïste et c'est un gain de performance moyen. Perfect. Je la fais travailler du jour, c'est nickel. De toute façon, ça sent la petite promotion quand même. Alors, on revient avec nos mecs. Petit cop-cop, copper, petit chamalux. Oh, chamalo. Avec le yoga. Mamma mia! Et Toya, qui était très disgracieux étant enfant. Mais qui s'est révélé être un beau gosse quand même. Après, ils sont tous dispo déjà dans la galerie, hein, parce que je partage les foyers quand l'héritier a son conjoint ou conjointe et qu'ils ont eu leurs enfants. Donc, ils sont tous dispo, sauf Céleste. Enfin, Céleste est dispo, mais en tant que bambine. Donc, vous pouvez toujours la prendre et la faire grandir. Et puis, vous avez tout notre Sobéry. Après, si vous voulez que les héritiers, ça arrive. Il casse pied à casser les toilettes. Ah oh ouais, quel enfer. Quel enfer, Toya. Ah non, c'était... Hein, quand il est mort, c'était un soulagement au final. Tu dis, ah ben tant mieux. Nos toilettes, ils resteront en zen. Donc j'ai fait cette magnifique maison, hein, en très peu de temps, mais elle est dégueulasse. Elle est clairement dégueulasse. Et on a bien sûr un toit incroyable, hein, parce que qui dit génération bleue dit la mer, et qui dit la mer dit les vagues, et donc j'ai fait deux vagues dans le toit. Ça ressemble à rien, je suis d'accord. Mais c'est mon toit. Et mon toit, c'est moi. C'est comme ça. Ils sont beaux quand même, tous ces Sims, hein, c'est pas possible. Peut-être que je les remettrai dans mes let's play futurs, petit foyer. Alors je leur mettrai une couleur de cheveux plus normale. Pour ceux qui ont les cheveux donc de toutes les couleurs, pour éviter que ça perdure sur des générations et des générations. Enfin, ça pourrait être très drôle en soi.
C'est-à-dire que si je retrouve des cheveux verts au bout de 10 générations, tu fais « Ah !» Ça, c'est quelqu'un qui descend de pommes. Et ouais. À voir. Mais en vrai, oui, ils sont beaux. Je les remettrai sûrement dans mon jeu. C'est pas mal ? Ouais, oui, c'est pas mal. Allez, me please to mice. Fringo Zebs, Fringo Bazolone. Oh non, Somono. Somono, petit saumon. Petit saumon, monte tes fesses. Alors, oui, ils sont téléchargeables tous, mais avec leur famille. Séparément et pas que les héritiers. Quand ce sera que les... Si tu veux que les héritiers, c'est pas encore maintenant. J'attends... bah là, il y a Céleste, donc en vrai, quand je ferai son portrait, j'aurai les deux foyers. Voilà. Faut juste que je fasse son portrait. Vous avez vu comment j'ai mis du temps pour Pomme. Mais oui, je les partagerai une fois que je les aurai... j'aurai son portrait à elle. Claqué. Et franchement, je tiens à peine debout. Et là, on est sur une promotion. En tout cas, elle va rentrer du taf. Et puis après, je les fous au lit. Et moi, j'arrêterai là parce que j'en peux plus. De toute façon, vu le temps que j'ai mis à faire la maison, on s'était dit hein, que ce serait une petite rediff courte. Hein. Voilà. Tout ça pour ça. Hé hey, c'est son anniversaire à lui. Non, il piquignote pas encore. Il est pas encore assez vieux. Allez là, faites-vous des mamours. Hein. Arrête de regarder ta télé là. Le vieux. Oh, Vadish. Oh. Tu l'aimes quand même, ta vieille pomme? C'est rigolo parce qu'on peut faire plein de jeux de mots avec pomme quand même. Et c'est son prénom. Oh, c'est marrant. C'est MDR en fait. Que se fout de moi, non? En plus, j'avais mis. Non, c'est... franchement, je lui avais mis plein d'actions. Et ça a tout annulé là, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Et son copain, il est pas encore mûr pour passer à la casserole. Non. Pas... T'étais pas... Ah si, ça y est. En fait, quand vous ouvrez le... Quand vous avez déjà ouvert le panneau comme ça, et vous voyez que le Sims est blanc et apparaît d'un coup, ça veut dire qu'il a changé d'âge. Si, si, ça y est, il va pouvoir emménager. Quoi, les Sims? Oh! Et coucou, Gnome! Coucou la RGA! Comment allez-vous? Bienvenue! Merci beaucoup pour ce raid! Comment vas-tu? Comment va la RGA? Comment ça va? T'as passé un bon live? Je suis explosée! Je suis fatiguée! Et mais ça va de mon côté quand même! Salut Billy Titi! Salut Gnome! Comment allez-vous? Il faudrait que je fasse un... En fait, vous savez ce que j'ai envie de faire? Un émote, si on fait l'émote animé, que ce soit un émote animé un peu festif, avec un peu genre des paillettes ou des conneries comme ça. Je sais pas si c'est possible, mais faudrait que je vois déjà qui et quoi. Comme ça, même pour le raid, on pourrait balancer les paillettes. Ça pourrait être marrant. Ça va bien être... Bah ouais, ça va, mais je suis flinguée. Je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Salut Frangine, tu veux voir ce nouveau mème que j'ai trouvé sur Simstagram? Je le trouve super drôle, qu'en penses-tu? LOL, génial! Je ne comprends pas. Oh, je comprends. LOL, génial. Ah, je savais que tu allais adorer! Mais elle est trop vieille pour comprendre des mèmes maintenant. Salut Mélissa! Mais t'étais sur quoi du coup, Gnome?
Bah nous, alors pardon, oui, j'ai complètement zappé. Nous sommes donc sur le Not Sobiri, sur les Sims, comme on fait tous les mercredis. On vient juste d'emménager à Soulani, avec dans cette incroyable maison magnifique hein, que j'ai construite en très longtemps, une heure, pour faire cette merde. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas une bourrasque de vent avec une toiture qui s'envolait, c'est parce que je me suis dit que je voulais des vagues sur mon toit, parce que des vagues, parce que génération bleue, la bleue, la mer, les vagues. C'est laid, je sais. C'est pas gentil. Voilà, donc on a emménagé à Soulani parce que la génération bleue, quoi. Et puis voilà. En attendant que les parents clams, elle est partie au taf. Et puis, ben, attends, elle est repartie se coucher. Partie faire sa sieste, pommette. Vieille peau. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça? Elle veut prendre une douche? Mais pourquoi tu veux prendre une douche? T'es pas sale. Ils sont bizarres, ces Sims. Un peu bizarre. Donc oui, hein, vraiment, chambre... Enfin, chambre... vraiment... Oui! Ça, heureusement qu'il y a eu la promotion pour me sauver. Et c'est une promotion pour la petite, la jolie Céleste. Elle a été promue journaliste spécialisée et elle gagnera désormais 5 simflouzes de plus par heure, soit 34 simflouzes de l'heure au total. Déjà 34 simflouzes de l'heure, ça fait déjà cher. Déjà tout à l'heure on était à 500, c'était hallucinant. Bah, même à 34, ça reste beaucoup. Elle a reçu également une prime, un bonus de 283 simflouzes, interaction recommandée à un lieu local et répondre aux emails. Voilà. Travaillera de 10 à 17 heures. C'est donc un niveau 3. C'est donc un niveau 3 de critique. Bonne nuit, Bianaïs, des bisous. Bon, repose-toi bien. C'est un style sympa. Bon, bah, c'est gentil, mais bon, c'est pas incroyable. Hein. Bon, c'est dans les tons bleus, quoi, parce que génération bleue. Par contre, ça lui va tellement pas, cette tenue. Ça lui fait des boobs d'une grosseur. Merde, j'ai enlevé Lila. Excuse Lila. Oh, ça va être chiant par contre si les trucs ils restent là. Qu'est-ce que tu fais? Ah. C'est pas toi qui voulais la manger ça? Oh non, qui c'est qui est mort? Ah non. Opaline, elle veut souhaiter... Ouais, elle vient. Opaline, c'est la sœur de... Est-ce qu'il faut que je me remette... Je sais plus, moi. Opaline, Opaline était... Qu'est-ce qui t'arrive, biche? Opaline, elle était plus vieille hein, que sa sœur. Non! Non, tu vas pas draguer. J'ai eu peur qu'il le fasse, j'ai eu peur. Parce qu'Opaline était la sœur aînée de Pomme. Hein. Qu'est-ce qu'elle a? Nauséeuse violation de la vie privée. Mais qu'est-ce que t'as? Respire. Va voir ta sœur, va lui complimenter la tenue, tout ça. J'ai envie que tu te changes en fait, c'est pas beau tes fringues. Remets une petite tenue qu'on te connaît. Tu dois faire quoi pour ton taf? Tu dois écrire un article. T'en as déjà fait un, hein, c'est pas grave. Écrire, tu vas écrire. Je vais quand même faire un article, on sait jamais. Hein. Muchi Pichi! Tu clignotes mon garçon? Toujours pas. Ce sera pour la prochaine fois, je pense. I think it will be for the next time. Do you understand? Carzini Saquinario. Elle était si belle, notre pommette. Eh oui. Eh oui.
C'est la vie, ma pauvre Lucie. Elle est responsable, bien élevée et compatissante. Rien que ça. Bonbon heureux. Eh ben, dis donc. Je peux en avoir plus encore. Elle était que responsable et pro du web. Terminé l'aspiration génie de l'informatique. Ah mais oui, attends Germain. Tu l'appelles, on va le faire venir habiter ici. Et comme ça, ils vont pouvoir ken. Parce qu'ils ont pas encore un... Enfin... Ils avaient ken en étant ados. Oh non, les orages, ça suffit, les orages. Ah bah lui il a vu la porte ouverte, il s'est dit bah tiens moi je rentre direct hein. Comme eux-mêmes. Recommander un lieu. Une boîte de nuit. Oh non. C'est un bouffe-tout là, c'est un dégueulasse, qu'est-ce qui se passe? Ah c'est lui qui ressort de l'eau. J'entendais de l'eau de... J'ai cru qu'il y avait une fuite chez les Sims, je me suis dit non pas dans le jeu non plus, ça suffit les fuites. Hein. Bonne nuit, Aurore, des bisous. Château. Allez, tu vas lui faire un petit bisouille. Une petite caresse. Voilà. Les parents qui sont là au taquet, genre... Ah oui, alors c'est lui ton mec. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, Mathias, il voit sa fille se dévergonder, il s'est dit « Mais quand même, ma fille, fais pas ça devant moi, je suis choquée. Tu es encore une enfant pour moi. » Oui. Rien que ça. Allez, vous avez Ken. On va aller Ken un petit peu, là. Un petit peu, mon neveu. Oh, et compétence 5 du charisme. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais pourquoi il est choqué? En même temps, c'est vrai qu'elle regarde son père tout en faisant des propositions indécentes à son mec. C'est un peu chelou. Pour vous le cacher. Allez. Oh là là, magnifique bas de pyjama. Les parents gênants pour l'arrivée du premier petit copain, on connaît. Bah, j'ai déjà dû leur faire un truc parce qu'ils ont pas le première fois. Bonne soirée Céline, des bisous, repose-toi bien. Je vous rassure que moi aussi je m'endors sur mon propre live. Tellement il est passionnant. Eh ben. Oh bah dis donc. Ah oui. Ah oui, belle bête hein. Papa. Et il est devenu encore plus fit que quand vous l'avez choisi. On est d'accord? On est d'accord. Je me réponds à moi-même parce que vous êtes tous en train de dormir déjà. Bon, tu vas venir rencontrer... Tu vas aménager la petite foyer là. Hein. Attendez, faut que j'enregistre parce que je sais que ça va déconner. Ça, il rejoint le foyer. T'as pas choisi celui-là? Ah. Il va laisser Chloé Molton avec toute seule. Et puis, bah, bienvenue chez nous. Oh, il reste! Chouette! Chouette, chouette, chouette! Voilà, ni une ni deux. Hein. Il a choisi ce... Le côté droit du lit, voilà, voilà. Alors, c'est très son. Adore la nature, jaloux et glouton.
jaloux. Oh putain, l'enfer. Parce que si on se fait, si elle se fait choper quand elle le trompera. Bon bah allez hein, faire crac crac. Ouais, tout le monde va ken ce soir. Allez hop, vous allez tous ken. Et puis dodo. Yoppa. Ah dis, ah ouais, encore une fois, dis donc, il a la santé celui-là. Hein. Il a la santé, chérie. J'ai une voix apaisante, faut que je crie, hein, de temps en temps. Mais je crie pas assez, alors. Je pense que c'est ça. Il avait déjà un bon potentiel quand on l'a lu. Ouais, c'est clair. C'est clair. Julou, ça va être top à chaque fois qu'elle va quitter la pièce, il va être angoissé. Super, merci. Merci, le créateur de ce Sims. Ouh, oh. Oh. Pourquoi lui il est... merde, attendez. Qu'est-ce que c'est ça? A vu un acte choquant? Ah, mais j'ai oublié qu'il était froid, c'est pour ça qu'il était comme ça. Je viens de voir deux Sims en pleine action en public. Est-ce que la notion de pudeur a totalement disparu? En pleine action. Ils se sont fait des bisous, ça va, hein. Et toi, t'en fais pas des pleines actions, là? Comme eux-mêmes. Je vous ai pas demandé d'aller baiser un petit peu, tous les deux, là, les vieux? Bah, ça y est, lui, il sort. Il fait... Oui, alors, qu'est-ce que je vais faire? Mais t'as pas faim? Pourquoi tu veux manger, en fait? Tu te dis, t'as envie de rien, là. Un besoin de rien, envie de toi. Comme j'aime envie de personne. Tu sais, t'es un nana qui ressemble. Si, 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 ça va nous, si, si. Allez, c'est super. Le relais pour ce pauvre Mathias est arrivé. Mathias pourra prendre sa retraite de l'aspirateur. Vlad s'en occupera. Punaise, on a un Agnès à dentelle à domicile et un gars jaloux, ça va être la folle ambiance. Oh! Oh oh oh! Il a l'air d'assurer encore hein, pour un... Ah ça y est, il clignote. Il va devenir vieux bouc. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine, les enfants. Bon bah tout va bien. Ça a l'air de bien se passer sous la couette C'était agréable, c'était pas plus que ça. Elle, c'était spectaculaire, carrément. Mais elle s'est dit, faut pas déconner, j'ai la poubelle à vider. Pourquoi ça va pas automatiquement en vert, en vitesse 3. Bon bah écoutez, c'est là-dessus qu'on se quittera ce soir. J'espère en tout cas que ce petit gameplay vous aura plu. Il n'est pas trop long. 1h30, c'est bien. On commencera la semaine prochaine. On mariera les deux genoux parce qu'il va falloir les marier pour qu'elle puisse le tromper. Tout ça. Et on n'y est pas encore, mais donc on va le faire. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous YouTube. Merci d'avoir regardé cette rediffusion. Puis n'hésitez pas, le petit comme, le petit like. Comme d'habitude, le partage de la chaîne. Ça va aussi pour ceux qui sont sur le chat. Je vous fais des bisous. À très bientôt, à la semaine prochaine, peut-être, sûrement. Je crois qu'on sera la semaine prochaine. La rediff, ce sera pile... Ah, ce sera le jour de Noël. Ah oui, bah, faudrait qu'on... Non. Putain. Incroyable. Allez! Des bisous, ciao ciao!